Voilà, ça tourne. Donc c'est pour un site internet qui s'appelle Trial Video. Voilà, donc je voulais vous demander, donc par curiosité, qu'est-ce que c'est comme type de machine, si vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que ça a l'air assez spécial quoi, comme spécimen. C'est marqué Ermaki Harley Davidson. En fait, c'est un moteur italien du 64, de centenaire passé, voilà. Ah d'accord. Et on a marqué le moteur Ermaki avec Harley Davidson parce qu'ils ont perdu du fric et ils ont plus produit ces modèles, alors on les a marqués Harley Davidson. C'est une moteur de route 250. D'accord, donc elle n'a pas été conçue pour du trial à la base. Non, non. Voilà. Et c'est alors le cadre, je suppose... le moteur de route et toutes les autres choses sont bricolées. D'accord, donc le cadre a été adapté pour faire du trial. Non. Non, c'est, non. C'est le cadre d'origine, non? Oui. Ah oui. Ah, ça a l'air assez... Ça n'existe pas. C'est tous du bricolage. D'accord, donc on voit que c'est un 4 temps, on voit que je suppose que ça doit être des tiges hein, pour accéder aux soupapes. Oui. Hein, et puis donc là, ça je suppose c'est la lubrification. Oui. Hein, donc il y a une pompe à huile aussi. Harley Davidson. Extraordinaire. J'avais vu des BMW Trial à Belfosse, il y a quelqu'un qui roule avec une BMW Trial à Cardon. Ah, vous avez dû adapter aussi au niveau du plateau arrière, ouais, en faire un sur mesure, hein, pour raccourcir les rapports, je suppose. Hein. D'accord, c'est ça. Écoutez, bah, c'est super. Bah, à la limite, présentez-vous, dites qui vous êtes, et puis si vous avez envie. Walter Traber, de la Suisse. Nous sommes à Moudon. C'est le seul trial aux vestiges à l'ancienne, deux jours en Suisse, et ça fait beaucoup plaisir. Ah bah, écoutez, bah, vous serez sur Internet demain. Si vous me l'accordez, je ne sais pas si vous avez signé le droit à l'image, mais si vous êtes du club, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Je pense que monsieur Alaman, hein, si vous ne le voulez pas, vous le dites. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord, non, ou juste sur le DVD, ou est-ce que vous êtes d'accord? Je peux couper ici au montage. Est-ce que vous êtes d'accord pour être sur Internet aussi? Sur l'Internet, ça va bien. Sur Internet, ça ira aussi. Voilà, donc je ne couperai pas au montage. Sur Facebook, hein, c'est sur Facebook. Hein. Bah, c'est moi qui vous remercie. C'est tout bonnement génial. Elle est fantastique, cette moto. C'est vraiment. En fait, ça fait une curiosité. C'est une curiosité. Ouais, ça doit être... Et j'ai oublié de vous demander la cylindrée. 250. Ouais. D'accord. Donc pour un poids total, là, je l'évalue à 110 kg au moins, non? 130 kg. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc il en faut dans les bras, quoi. Oui. Ouais. Mais je pense qu'au niveau couple moteur, ça doit. Non, ça manque. Ah ouais, 250 cm3, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de remplissage pour le poids. Hein. Le rapport poids-puissance, ça doit galérer un peu, quoi, mais bon. L'essentiel, c'est de te faire plaisir. Écoutez, je vous remercie. Hein, voilà. Et puis, de toute façon, vous serez sur le DVD, puisque j'offrirai le DVD au club. Donc, vous aurez l'occasion de vous revoir lorsque vous ferez des soirées, etc. Puisque je fais un petit DVD de... Oh là, en même temps, il y a un cascadeur qui passait. Voilà, bah, écoutez, peut-être à plus tard, hein, parce que je continue. Merci. Merci beaucoup.